Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de comparaison et en particulier du fait de se comparer à quelqu'un d'autre qu'on pense supérieur et du coup de se rabaisser un petit peu. En rentrant dans ce parc, je suis à Kawita Park là, et en rentrant dans ce parc, je suis venu spécifiquement pour trouver une sorte de vipère jaune qui est magnifique. Et en rentrant dans ce parc, il y avait un guide qui était 20 mètres devant moi et je me suis dit, ah bah c'est bon, il y a le guide. Il saura forcément mieux les trouver que moi. Et du coup, je me suis automatiquement placé en position d'infériorité par rapport à lui, sous prétexte qu'il avait la chemise de guide. Et il y a une phrase que je voudrais vraiment vous partager, c'est l'idée qu'il ne faut jamais comparer l'extérieur des autres à son intérieur. Puisque là, je vois le guide avec sa chemise, je compare, je me dis, ah ben, il doit être meilleur que moi à trouver les serpents. Sauf qu'au final, on marche une heure et demie, j'en ai trouvé trois, dont je vais vous montrer la vidéo. Et si vous regardez bien, il y en a un juste derrière moi là, le jaune, vous le voyez? Ici, je vais vous le montrer en zoom. Et j'ai demandé au guide qui était revenu dans l'autre sens entre temps combien il en avait trouvé, il m'a dit zéro. Et moi à ce moment-là, j'en avais trouvé un. Et là, c'est mon troisième. Donc, vous voyez, au début, je me suis comparé à lui, je me suis senti un petit peu inférieur, mais après, je me suis dit, peu importe. Crois en tes capacités, concentre-toi, reste focus sur ton objectif. Donc, je regardais tous les arbres avec patience et au final, juste parce qu'il avait la chemise, je me suis dit, ben, il doit être meilleur que moi. Alors qu'en fait, on ne sait pas déjà, peut-être que c'est son premier jour de guide. Et si ça se trouve, il l'a tellement fait que maintenant, il n'en a plus rien à foutre et il ne regarde plus. Donc, voilà, ne vous comparez jamais à l'extérieur, ne comparez jamais votre intérieur à l'extérieur des autres. C'est tout pour cette vidéo. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.